Sandrine Tansal, sur Saint-Louis, candidate au municipal 2014. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi on est candidate en 2014. Pourquoi Saint-Louis d'ailleurs? Parce que on est née à Saint-Louis, m'a grandi à Saint-Louis et aujourd'hui, sur toutes les élections, ma position à moi sur les municipales. Mais aujourd'hui, il faut expliquer aux gens pourquoi moi les candidate, pourquoi ma candidature arrive à ce moment-là. Après 20 ans de campagne, il y a les autres, aujourd'hui, ils trouvent que le système y arrive à bout. Le système des grands partis, droite, gauche. Moi, j'ai une femme de terrain, toujours présente sur le terrain, notamment dans le monde associatif, et me rend à moins compte que la misère, en fait, n'a pas une couleur politique. Aujourd'hui, moi, j'ai très déçue par l'organisation des partis, des gros partis collés en haut, qui dit gérer la Réunion. La Réunion est en train de couler. La Réunion est malade. Saint-Louis, en tout cas, est en train de couler. Partir à ces élections, pour moi, c'est vraiment rassembler. Rassembler autour d'un projet. Pour moi, une mairie, c'est comme une entreprise. On ne peut pas vouloir être chef d'entreprise si on ne gagne pas gérer. Et aujourd'hui, il faut que nous arrivions à trouver les compétences. C'est une liste d'hommes et de femmes avec des compétences. Quand on a l'argent, il gagne faire des choses. Quand on a point, il faut savoir dire non, il ne fait pas. Parce que Saint-Louis, à mon sens en tout cas, s'il est dans cet état-là, c'est parce que nous avons des hommes politiques par le passé qui l'ont fait n'importe quoi. Et nous l'a laissé faire, et nous l'a voté, et nous l'a fait dans notre bouche. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut nous passer à l'étape supérieure. Moi, l'envie qui change, d'accord? Moi, les mamans, moi, les Saint-Louisiens, moi, envie que les choses y changent. Donc, quand on veut que les choses y changent, il faut faire. Il faut aller dans la politique. Mon travail de terrain depuis un an, les gens, ils disent à moi, ils n'aiment plus la politique, ils n'ont plus envie de faire la politique. Moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, demain, c'est la journée de la femme, c'est lancer un appel. Que les femmes y intéressent à la politique. Si nous intéressons pas nous à la politique, les autres y intéressent à nous, D'accord? La politique, c'est quelle école pour notre quartier, comment il arrange le chemin, quelle animation il fait dans le quartier, comment il gère l'emploi, comment il ramène l'activité économique dans la ville de Saint-Louis. Aujourd'hui, moi, j'ai attristé. Comme il voit que dans mon quartier, les jeunes sont en train de casser de partout. Et la seule réponse de nos hommes politiques, c'est « les bons, on va donner 25 contrats par-ci, 25 contrats par-là-bas ». Et ça, c'est les réponses de tout bon politique. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui que nous pouvons encore promettre des petits contrats? Parce que dans 6 mois, ce sera la même chose, va répéter. Est-ce que nous devons systématiquement dire « inquiète pas, nous va donner ce petit contrat-là ». Parce que là, nous l'est sur le clientélisme, que la salie la politique réunionnaise. Elle a bataillé il y a un an contre le clientélisme. Elle a dit non à une offre d'emploi en mairie. Parce que mes estimes ne donnent pas travail comme ça. À la mairie, il faut oui. Il faut mettre de l'ordre. Il faut faire des économies là où il peut. Quand on a l'argent, il fait. Quand on a point, il ne fait pas. Il faut que nous soyons honnêtes avec les gens. Il faut arrêter de mentir aux jeunes en tout cas. D'accord? Parce que nous sommes en train de partir sur quelque chose qui va exploser. Va exploser et aujourd'hui, nos politiques actuelles, que ce soit droite, gauche, à Saint-Louis, ils entretiennent ça. Ils entretiennent cette misère sociale. Comme ça, demain, quand on arrive en campagne, on va dire, écoute, malade, d'ailleurs, mais aujourd'hui, vote pour moi. Mais ne demande pas aux gens de voter parce que demain, ou par le passé, mal accompagné à parce que nous l'a fait ça, ou nous l'a aidé certaines personnes. Mais demande aux gens de voter parce que le projet que nous va proposer, il convient à autres pour Saint-Louis, il convient à autres pour autres Maramaï. S'il convient pas à autres, vote pour un autre candidat. Mais vote pas, vende pas votre voix n'importe comment. Parce qu'à Saint-Louis, ce qui se passe aujourd'hui, comment ça se passe? La mairie donne contrat. Conseil régional, il donne contrat. Conseil général, il donne contrat. Et ça, c'est tous les bons politiques en train de mettre le paquet ensemble. Partout où on passe, m'a gagné un travail dans tel lycée, m'a gagné un travail dans tel collège, m'a gagné un travail avec la mairie. Voilà de quoi ils parlent dans les familles. Seulement ces histoires de travail. Mais le travail, c'est 6 mois. D'accord? C'est mettre un pied sur la tête. Le monde, et dire, il travaille pendant 6 mois, mais on voit pendant 6 mois là. Le monde, il faut lire ça à fin de papier. Il faut lire ça à faire le chameau pour faire gagner des politiques. Donc moi, il dit non. Moi, il crie à cette injustice-là, il dit non. Et il dit que c'est possible de faire campagne autrement. Nathan, il dit à moi, on est folle. Elle est dure, ça. Comment ça fait pour réussir? Moi, il dit que non. Moi, il n'est pas folle, mais il aime ma ville. Et moi, m'y crois aux compétences. Et moi, m'y crois à une gestion saine, comme une entreprise, d'accord? Moi, les chefs d'entreprise, il faut gérer comme une entreprise. Et les autres vont voir que les possibles. Nous l'en train de préparer. Mon objectif, c'est vraiment de rassembler au plus large. C'est que l'envie de travailler pour Saint-Louis vient du moment que n'a pas une casserole judiciaire derrière, parce que ça n'est pas un état aussi Saint-Louis. Et d'ailleurs, on va dire deux petits mots là-dessus. M'y trouve scandaleux. Aujourd'hui, nous dit qu'il faut nous donner des valeurs à notre jeunesse. Scandaleux aujourd'hui que nous avons des hommes condamnés, ça fait à sauter 2-3, mais il n'est pas grave,
condamner aujourd'hui ces autres qui viennent à nous, comment il faut gérer notre ville. Ces autres qui viennent à nous, voilà quel développement nous propose pour Saint-Louis. Moi, je trouve ça incorrect et un manque de valeur totale de la part de ces hommes-là. Et m'a combattu ça. Mais en contrepartie, ben, nous va proposer une équipe et nous va proposer un projet.